domicile de Brice Camteau est encerclé par des forces de l'ordre depuis maintenant 3 semaines, sans qu'il puisse sortir, qu'on puisse lui apporter des vivres. Il y a un nombre très important d'arrestations également le 22 septembre, plus de des centaines de manifestants arrêtés. Est-ce que la France est intervenue ou peut intervenir sur des situations de cette nature? Si, je le connais personnellement. Et je ne suis allé au Cameroun que lorsqu'il a été libéré. Il le sait. Je sais, oui. Vous voulez quoi? Que j'aille le voir? Mais on l'a déjà exprimé publiquement. Moi, je suis allé le voir, Monsieur Camteau. J'ai dit aux autorités camerounaises que je n'irai au Cameroun que lorsque Monsieur Camteau serait libre. Et j'ai respecté mon engagement. Un an après le grand dialogue national au Cameroun, on observe que les fractures au sein de la société sont toujours les mêmes. La France soutient le président Paul Biya depuis toujours, mais il semblerait que ce ne soit plus possible. Donc que compte faire la diplomatie pour sortir de ce soutien qui n'est plus acceptable? Sur le Cameroun, moi, je m'étais engagé à me rendre au Cameroun à partir du moment où des actes d'apaisement étaient mise en place par le président Biya. C'était en octobre 2019, et développé avec lui-même et son gouvernement à ce moment-là une discussion assez franche, en particulier sur la nécessité de mettre en place une décentralisation qui aboutisse à ce que la crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun puisse aboutir à un apaisement de la situation. Et nous nous appelons, à la suite du décès en détention du journaliste Ouazizi, les autorités camerounaises à mener une enquête indépendante et impartiale sur les circonstances de sa mort. Et nous invitons les autorités camerounaises à prendre les initiatives et les gestes d'ouverture nécessaires pour établir la confiance sur la scène de la politique intérieure. Nous n'avons jamais été, nous avons toujours tenu ce discours. Y compris sur place, lorsque je me suis rendu, l'intérêt des Camerounais, c'est de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes des différentes élections régionales. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je ne serai pas long. Comme d'habitude, je vais vous demander, n'est-ce pas, chacun d'entre vous, de faire au moins 10 tours de partage. C'est très important. Chaque fois, on va toujours répéter la même chose. Lorsque vous vous connectez, la première des choses à faire, c'est de diffuser le message. Parce que quand les activistes mènent une activité, ils ont besoin que le message soit écouté le plus lointain possible. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Déjà, je tiens à m'excuser par rapport à ce silence, ce long silence. Plus d'une semaine sans parler. Il y a beaucoup qui m'ont cherché. Je suis là. Mais je suis tellement désolé et peut-être même dégoûté par ce qui se passe dans notre pays, par l'atmosphère qui règne dans notre pays depuis. Je cherche toujours à résoudre cette équation à plusieurs inconnus, ou alors même plusieurs connus, mais je n'y arrive pas. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment des gens qui survivent, qui passent des années à survivre, n'arrivent pas à établir le rapport de force ou alors à renverser complètement la tendance. Je n'arrive toujours pas à comprendre, après maintes réflexions, comment d'un côté, il y a des millions de personnes qui sont dans une souffrance absolue depuis des années, et d'un autre côté, il y a une petite bande d'individus qui ont instauré tout un système de gouvernance dans le but de se maintenir au pouvoir, de jouir de leurs avoirs. Je ne comprends pas pourquoi les millions de personnes qui sont de l'autre côté, on parle souvent de 95% de la population, qui vit avec moins de 5% des revenus de leur pays, et de l'autre côté, on parle de 5% de la population qui vivent avec plus de 95% des revenus du pays. Ces 95% qui sont dans une souffrance absolue depuis un bon bout de temps, n'arrivent toujours pas à se révolter, à établir le rapport de force et à renverser la tendance.
On passe par tous les systèmes, tous les moyens, tous les systèmes, tous les moyens. Les gens se contentent, n'est-ce pas, à sortir le matin, chercher 1000 francs, chercher 2000 francs, rentrer le soir, acheter deux doigts de banane, manger avec l'huile rouge. Pour ceux qui peuvent manger le riz avec le poisson, ça va. Pour ceux qui peuvent essayer de manger un peu de viande, peut-être une fois par semaine, ça va. Ils se disent que la vie, c'est ça. On se pose la question de savoir, lorsque vous regardez l'avenir de vos enfants, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? J'ai vu quelqu'un là tout à l'heure qui a posté, il y a ici parmi nous, qui ont déjà bu en bière l'équivalent d'au moins une dizaine de maisons qu'ils pouvaient construire. Et c'est vrai. Parce que ce système, ces gens dont je parle, qui ont instauré un système qui consiste à abrutir les gens, mais aussi ces gens se laissent abrutir, il ne faut pas oublier. Donc ce système consiste à abrutir les gens avec l'alcool, les jeux de hasard, en fait, rien que des trucs qui ne servent absolument à rien et qui ne peuvent pas te pousser à progresser ni à réfléchir. Pendant ce temps, ces gens, c'est moins de 5%, disons 5% de la population, continuent de tisser les toiles d'araignée, élargir ces toiles d'araignée dans tout le pays. Ça veut dire quoi? Le père est gouverneur, il fait tout de telle sorte que son fils entre à l'ENAM, parce que son fils viendra le remplacer demain. Le père est ministre, il fait tout pour que son fils puisse le remplacer demain. Le père est directeur dans une société publique, parapublique, depuis 50 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Il se bat bec et ongle pour que son enfant entre dans le système pour pouvoir le remplacer demain. La preuve, vous avez vu, il y a des milliers de leurs enfants qui réussissent toujours les concours, que ce soit l'IRIC, que ce soit l'ENAM, que ce soit tous ces concours-là, ils les réussissent toujours. C'est à croire que ces enfants sont les plus intelligents du pays. Oh que non, nous le savons très bien. Ils ne sont pas les plus intelligents du pays. Je suis très poli pour ne pas dire qu'ils sont les plus idiots parce qu'ils ne vont même presque jamais à l'école. Mais comme ils ont le privilège ou alors la priorité que leurs parents soient placés quelque part, eh bien, tout le système est huilé de telle sorte qu'ils vont insérer leurs enfants un peu de partout. Et c'est comme ça qu'ils vont perpétuer la continuité. Perpétuer la continuité. De l'autre côté, on a une population qui se contente de faire le Benzikin, qui se contente de faire le taxi, qui se contente de sortir le matin, marcher à pied, chercher son petit revenu, qui se contente de faire le pousse-pousse et qu'on sort. Et même quand ils se débrouillent, on leur impose encore des taxes qui ne leur servent absolument à rien. Parce que rappelez-vous que lorsque vous payez des taxes, c'est pour améliorer vos conditions de vie. Mais au Cameroun, on vous fait payer les taxes pour faire vivre les gens. Quand vous êtes dans un pays où le ministre des Sports fait enfermer ou c'est sa ménagère ou c'est son domestique parce que apparemment il aurait pris ou ses 25 millions ou ses 30 millions de francs CFA en espèces dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'un ministre fait avec 25 millions de francs CFA en espèces dans sa maison? Le ministre touche combien pour pouvoir économiser 25 millions de francs CFA? Si le ministre là a 25 millions de francs CFA en espèces dans sa maison, imaginez combien il a dans son compte bancaire. Et ce n'est pas tout. Le ministre se plaint que le domestique ou alors la ménagère avait emporté également 10 millions de francs CFA en banque de carburant. Quand ça entre, ah merci, 75 millions. Oh, donc je suis loin comme ça en bas. Bref, 10 millions de francs CFA en banque de carburant. Mon Dieu, un ministre, 10 millions de francs CFA en banque de carburant. Le policier même qui reçoit ce genre de plainte ne se pose pas les questions. Non, il ne peut pas se poser les questions parce qu'il a été mis là pour faire un travail précis. Il n'a pas été mis là pour défendre les intérêts de la population, non. Il a été mis là pour défendre les intérêts des prévaricateurs de la République. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est leur système qu'ils ont installé. Je vais encore vous demander de partager la vidéo parce que je vois que ça traîne et ça traîne énormément. Nous n'avons plus de temps à perdre. Si on va continuer comme ça, on ne va pas s'en sortir. Disons-nous les vérités. Si à chaque fois, pour passer un message, il faut peiner à réunir du monde, et pourtant on a la capacité de réunir 10 fois
20 fois que ce que je suis en train de voir là, on ne va pas s'en sortir. Et vous voyez, petit à petit, les gens se découragent. Et les gens ne se découragent pas pour rien, c'est à cause de ce genre de laxisme. Donc vous devez faire partager partout. Lorsque quelqu'un se met en ligne, lorsqu'un activiste ou quelqu'un qui parle du changement se met en ligne, vous devez tout faire pour faire passer son message. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas. C'est quand on dit comme ça qu'eux aussi se mettent au courant et disent « Ah, donc c'était comme ça ». Mais si vous gardez le message pour vous, comment est-ce que vous voulez que les gens se réveillent? Les gens ne vont pas se réveiller. Donc j'étais donc sur le policier enquêteur, officier de la police judiciaire, ou alors auxiliaire de police judiciaire, qui reçoit ce genre de plainte d'un ministre. Le ministre détaille, on m'a volé 75 millions de francs CFA en espèces, on m'a volé 10 millions de bons de carburant. Mais on devrait ouvrir une enquête sur ce ministre pour demander que, mais monsieur le ministre, d'où sortez-vous avec 75 millions de francs CFA en espèces? Déjà au Cameroun, c'est un délit d'avoir 5 millions de francs CFA en espèces. 5 millions, c'est un délit déjà. C'est un délit. Alors, avoir 75 millions de francs CFA, soit tu es un blanchisseur d'argent, c'est-à-dire tu fais le blanchiment d'argent, les placements fictifs et consorts, pour essayer d'échapper, n'est-ce pas, à la CONAC ou alors à ceux qui luttent contre la corruption. Soit tu es un trafiquant, un contrebandier. Dans un pays qui se meurt financièrement comme le Cameroun, un individu ne peut pas avoir autant d'argent. Parce que 75 millions de francs CFA dans une banque, ça peut créer beaucoup d'emplois. Ça peut aider au financement de beaucoup de projets. Donc, il tue l'économie. En tant que ministre, vous vous rappelez d'André Mamafouda qui avait déclaré qu'on avait volé 300 millions de francs CFA dans son coffre-fort chez lui. Toujours les mêmes gens, oh, c'est la domestique, c'est le domestique qui a volé. Et pas seulement Mamafouda, il y avait aussi c'est Mebengo, tous ces gens-là, c'est toujours pareil. Ils ont toujours des dizaines, des vingtaines, des centaines de millions dans leur domicile. Pourtant, il y a des banques. Sachez que dans un pays, quand les banques ne fonctionnent pas bien, l'économie du pays va toujours... Donc, j'étais donc de disant ce que un policier qui voit ça et qui n'interpelle pas le ministre, ou alors un procureur qui a cette affaire et qui n'interpelle pas ce ministre, est complice du système qui est mis en place. Parce que la vérité, c'est que ces policiers-là, ces procureurs-là, ils sont là pour aider le système à se maintenir au pouvoir. Toutes ces choses détaillées-là, il faudrait que les Camerounais apprennent à comprendre cela, qu'il n'y a rien qui est fait pour leur bien-être. J'étais en train de dire que les impôts qu'on vous impose là, payer tous les jours, les taxes qu'on vous impose là, normalement c'est pour améliorer vos conditions de vie. Mais non, au Cameroun, on vous impose les taxes pour permettre à Paul Biya et à sa famille de mieux vivre, pour permettre à Ngongo et à sa famille de mieux vivre, pour permettre à Femme Dongo et à sa famille de mieux vivre, pour permettre à tous les ponctes du régime de mieux vivre. Vous allez vous tuer à la tâche, vous allez payer les impôts et eux, ils vont prendre vos impôts pour mieux vivre et non pour construire le pays. La preuve, ils ne font que sortir des rentrées d'argent tous les jours parce que ça ne va plus. On vous a parlé de la taxe maintenant sur les téléphones. T'as dit, moi, c'est la première fois dans ma vie que j'entends ça. Vous allez payer. Parce qu'on sait que vous utilisez tellement les téléphones portables. Vous allez payer. L'argent, là, va aller où? Où sont les projets structurants du Cameroun depuis plus de 60 ans? Le Cameroun est où? L'argent, là, va aller où? Tous les jours, on va vous imposer des taxes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de quantités de taxes que vous payez. Les taximans se plaignent parce que taxes de ceci, impôts de cela, machin, truc. Le taximan n'arrive plus à faire une recette de 10 000. Mais quand il calcule les taxes qu'il doit payer, ça arrive encore peut-être, ça divise encore son argent en deux. Les mototaximans, même chose. Les pousseurs, même chose. Les bayamsel, la même chose. Les vendeurs à la sauvette, même chose. Les boutiquiers, même chose. On ne fait qu'ajouter les taxes sur les taxes. Les taxes sur les taxes. Les taxes sur les taxes. Et on vous impose de payer cela. En fait, on utilise cet argent-là pour vous asservir, pour vous dominer, pour payer les policiers, pour qu'ils aillent camper autour de la maison du président élu. Ces policiers-là sont payés par votre argent. En d'autres termes, c'est vous qui avez enfermé le président élu Maurice Kamto, oui. Et pour ça, je suis désolé, mes chers frères Camerounais. Je commence déjà à vous détester. Parce que vous êtes complices de la dictature. Vous donnez votre argent pour qu'on enferme quelqu'un qui lutte pour votre liberté. C'est vous qui l'avez enfermé, ce n'est pas Paul Biya. C'est vous. Je vous accuse.
C'est avec l'argent de vos impôts qu'on paye les policiers, les gendarmes qui sont autour de la maison du président élu là. Donc, en d'autres termes, vous financez pour la répression. Vous financez pour qu'on enferme les hommes politiques dans votre pays. Vous financez la dictature. Quand vous acceptez de payer les impôts dans ce pays-là, vous financez Paul Biya pour que Paul Biya continue de torturer les Camerounais depuis 30 ans. Je vous accuse. On ne peut plus laisser ça comme ça. C'est vous qui financez tout ça. Vous pensez que c'est qui finance Paul Biya? Mais c'est vous. C'est l'argent de vos impôts. C'est vous. Les financements qui viennent de l'étranger, le PIB du Cameroun, tous ces trucs-là, c'est vous. Donc arrêtez de vous plaindre que oh Maurice, quand toi est enfermé, oh le président élu, machin, parce que c'est vous qui l'avez enfermé. C'est vous qui le maintenez en détention. C'est vous qui l'avez mis à Kondengi pendant 9 mois, 1 an, parce que c'est vous qui payez les gardes prisonniers. C'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Vous n'allez pas dire qu'une petite bande d'individus comme ça là vous dépasse. Chaque Camerounais, tous autant que vous êtes, c'est la honte. Des gens se battent pour un meilleur avenir, pour vous, pour vos enfants, pour la future génération. Mais vous vous financez, vous payez de votre argent pour torturer ces personnes. Les gens qui sont torturés au CED, on va accuser les gendarmes. Moi, je ne les accuse plus. Je n'accuse plus les militaires qui tirent sur les gens. Parce que c'est avec votre argent, c'est vous qui donnez l'argent pour que Paul Biya utilise à acheter les armes à feu pour tuer vos frères Onozo. C'est vous. C'est vous qui donnez, qui financez Paul Biya. Vous ne le saviez pas. Vous le savez maintenant. C'est vous qui financez Paul Biya. C'est vous qui financez la guerre qu'il y a au Onozo. C'est vous qui financez Paul Biya pour qu'il paye les gendarmes, il paye les militaires, qui torture et qui massacre vos compatriotes. C'est vous. C'est toi qui sors pour marcher. C'est encore toi qui vas aller payer les impôts pour qu'on vienne te matraquer. Tandis que tu payes le policier pour que le policier là te matraque. Il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas être des millions. Et une bande d'individus vous domine. Alors, vous avez la force. Par tous les moyens. Si vous décidez de ne pas payer, peut-être la taxe sur les téléphones qu'ils sont en train de vouloir mettre là, ils vont vous faire quoi? Si vous décidez de ne plus payer les impôts tant que le pays n'est pas en paix, ils vont vous faire quoi? Ils ne vont rien vous faire. Ils vous intimident seulement. Toi, le taximan là, tu viens, tu te plains. Oh, il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts, il y a trop de ceci. Tu ne vois pas les routes, mais tu continues de payer les impôts. On n'arrange pas les routes, mais tu continues de payer le péage. Les sociétés de transport interurbain là, c'est vous qui payez le péage. Quand vous êtes dans la Bafoussam, Yaoundé, machin, tout, c'est vous qui payez le péage. Mais la route n'est jamais arrangée. Vous payez toujours le péage. Ne vous plaignez plus que vos bus font les accidents. Ne vous plaignez plus que les policiers vous arnaquent en route. Parce que c'est vous qui payez pour ça. C'est avec votre argent que ces policiers sont payés. Vous croyez que les policiers là sont payés avec quoi? L'argent tombe du ciel. C'est avec votre argent que Paul Biya achète les Range Rover à 1 milliard de francs CFA. Alors que Emmanuel Macron roule dans une petite voiture qui ne coûte pas 30 000 euros. Paul Biya roule dans une voiture, dans deux voitures. Il a deux voitures qui coûtent plus de 2 milliards de francs CFA. C'est toujours vous qui financez ça. Ne venez plus vous plaindre. Tant que vous allez continuer de financer la dictature là va continuer de vous dicter, de vous asservir, de vous soumettre à l'esclavage. Et parce que vous avez accepté ça, je n'arrive toujours pas à comprendre, à résoudre cette équation. Je n'arrive pas, ça me dépasse. Quelqu'un m'a dit hier soir, les Camerounais méritent Paul Biya. Dis donc, laisse-moi travailler mon argent, laisse-moi vivre ma vie, m'occuper de mes enfants ici. Le jour où ils seront fatigués, ils vont le chasser. Il dit non, ils ne méritent pas Paul Biya. C'est que Paul Biya les a vraiment trop dominés. Son système est huilé. Vous savez la question qu'il m'a posée? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant que Paul Biya est un dictateur? J'ai commencé à dire, oui, ils sont au courant parce qu'on s'est battu pour leur faire comprendre ça. Après, il m'a posé la question de savoir, et comme ils sont au courant que Paul Biya est un dictateur, depuis, ils font quoi? Je vous jure, je n'ai pas pu répondre. Après, il me dit que tu vois,
ils ont accepté de vivre sous la dictature de Paul Biya. Ce sont eux qui financent les voyages de Paul Biya. Lorsque vous partez chasser Paul Biya, vous faites bien pour l'économie du pays, mais ils continuent de le financer. Ce sont eux qui financent la guerre au Nozo. Ce sont eux qui financent les ministres, les directeurs. Vous vous plaignez de l'ENAM, que les enfants là vont à l'ENAM, machin. C'est qui paye les enseignants de l'ENAM? Qui paye les formateurs de l'ENAM? Ce sont eux. Ce sont eux qui financent leur propre domination. Il faut se mettre ça dans la tête. Le pouvoir financier vient du peuple. Quand un peuple refuse de payer les impôts, quand un peuple décide de ne plus payer les impôts, le pays là, ça va en couille. Parce que sans l'argent des impôts, ces gens ne vivent pas. Ils vivent de vos impôts. Ils vivent de vos impôts. La taxe sur les téléphones qu'on a ajoutée, le carburant qui augmente tous les jours, pourtant nous on produit le carburant, autant de choses. C'est vous qui acceptez ça. C'est vous qui acceptez. Si vous continuez de payer les impôts, le carburant a augmenté, oh, on se plaint pas, après on paye. Vous payez le carburant, vous ne vous posez pas la question, ça va, mais pourquoi le carburant augmente comme ça alors que nous, on produit ça? C'est parce que ces gens-là, ils prennent votre argent, au lieu d'investir, ils prennent ça pour consommer, ils prennent ça pour venir investir à l'étranger, ils prennent pour venir cacher à l'étranger. Est-ce que vous savez que l'ambassadeur ici vit dans une maison qui coûte au minimum, je ne sais pas, 50 000 euros le mois, ou c'est 40 000 euros, je ne sais plus trop, l'ambassadeur du Cameroun à Paris? Sa maison coûte dans les 50 000 euros le mois, je crois. On m'avait parlé entre 30 et 50 000. Donc moi, je mets la base parce que c'est qu'ils sont capables. 50 000 euros le mois, donc c'est plus de 30 millions de francs CFA par mois, rien que pour son loyer. Pourtant, Aïdjo avait acheté une maison ici qui pouvait servir à loger les ambassadeurs. C'est leur vie. C'est leur vie. C'est comme ça qu'ils vivent sur votre dos. Et vous pensez que tout cet argent-là, les 180 millions de dollars qu'on vous dit que Paul lui a dépensé rien que pour des voyages en amoureux avec sa bordelle, vous croyez que c'est l'argent de qui? C'est vous qui financez ça. Tu souffres, tu manges le Topsy Banana avec le Mbunga. C'est même les plus riches qui mangent ça avec le Mbunga, par exemple. Tu manges le tapioca avec le sucre parce que tu payes les impôts. Ces impôts-là, c'est les gens-là qui utilisent pour te dominer avec. Ils roulent dans les gros véhicules, ils portent des grosses vestes, ils portent des grosses montres, leurs enfants vont dans les grandes écoles. C'est vous qui payez l'école de leurs enfants, vous ne saviez pas. Grégoire Onana n'a jamais travaillé ailleurs, à part dans l'administration camerounaise. Selon vous, Grégoire Onana prend tout son argent. Il a pris ça dans l'administration camerounaise. Lorsqu'on sait que l'administration camerounaise est financée par l'argent des impôts du Cameroun, donc c'est vous qui payez Grégoire Onana depuis toutes les années qu'il est au pouvoir, dans le gouvernement, c'est vous. Femme Dongo, pareil. Paul Biya n'a jamais travaillé ailleurs. Paul Biya a toujours été dans l'administration camerounaise, chargé de mission à la présidence, secrétaire général à la présidence, machin, nanana. Donc il a toujours vécu aux frais du contribuable. C'est vous. Vous croyez que quoi? C'est vous qui financez, c'est vous qui payez. C'est vous. Alors ne venez plus vous plaindre. Ne vous plaignez plus. Voilà certains qui disent qu'ils sont des opposants. Moi, je les appelle des opposants. Des opposants, les proposants opposants. Ils laissent l'Assemblée nationale pour venir se plaindre sur Facebook, aller se plaindre sur Twitter. Alors que ce sont eux qui ont dit que non, ça se passe à l'Assemblée nationale, on va voter les lois à l'Assemblée. Mais j'ai dit, les opposants là, vous n'avez pas pu changer la loi des finances sur les téléphones portables là. Vous n'avez pas pu changer ça. C'est le consommateur qui va payer la douane. Je n'ai jamais entendu ça. C'est le consommateur qui paye la douane. Vous aviez dit qu'avec 5 députés, vous allez faire pencher 140 députés, non? Du RDPC, non? C'est comment aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est sur Facebook. Facebook, c'est l'Assemblée nationale. Quand on vous disait que ça ne sert à rien, il faut faire front commun pour affronter ces gens. Vous dites non, ça se décide à l'Assemblée nationale. Allons à l'Assemblée nationale, nous allons changer les choses. Mais vous êtes donc complice de cette loi? Vous êtes complice, c'est vous qui êtes complice de cette loi. Vous avez accepté ça. L'Assemblée nationale, ce n'est pas sur Facebook. Donc, Nouran Foster et sa bande d'amis, là, ne venez pas embrouiller les Camerounais sur Facebook. Vous avez accepté ça. Vous avez vendu les Camerounais, moyennant quelques avantages de députés. C'est tout. Vous saviez très bien que vous ne faites pas le poids. Quand le RDPC dit oui à l'Assemblée nationale, c'est oui. Vous êtes des figurants.
Vous ne servez à rien. C'est comme sur un plateau de tournage, vous voyez les gens qui marchent souvent comme ça, là, ils marchent juste. C'est son rôle, marcher, accompagner le film. Vous ne servez à rien. Donc arrêtez de venir embrouiller les gens sur Facebook, venir faire des vidéoconférences sur Facebook. Faites ça à l'Assemblée nationale là-bas. Parce que tout ce que vous allez dire, la loi a déjà été votée. C'est tout. Et vous n'avez rien fait pour empêcher ça. Parce que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas la majorité. Vous ne pouvez pas. Donc il n'y a rien. C'est comme ça que vous participez à dominer le peuple. Ce peuple-là qui accepte sa domination, qui se laisse dominer. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Dois-je arriver à la conclusion selon laquelle vous méritez Paul Biya, mes chers frères camerounais? Dois-je arriver à la conclusion selon laquelle nous allons aussi attendre le jour où vous allez vous décider à le chasser? Je vous rappelle encore que le président élu Maurice Kamto est en résidence surveillée sans aucune notification, donc complètement illégal. Je vous rappelle de facto que les gendarmes et les policiers qui sont autour de son domicile sont censés travailler pour votre propre sécurité, sont censés lutter contre le grand banditisme, sont censés assurer la protection des biens et des personnes, c'est-à-dire vous, votre protection, la protection de vos biens. Mais ces policiers se retrouvent en train de quadriller le domicile d'une personne qui se bat pour dénoncer tout ce qui se passe dans votre pays. Donc, vous financez le musellement des hommes politiques au Cameroun. Parlons de l'Assemblée nationale dont je parlais. Les députés là, vous savez combien ils touchent? C'est beaucoup de millions, hein? L'argent là vient d'où selon vous? C'est vous qui financez. Donc si vous voulez que Maurice Kamto se libère aujourd'hui, là, vous allez le libérer. Si Maurice Kamto, le président élu, est enfermé là-bas, c'est à cause de vous. C'est vous qui avez laissé qu'on l'enferme comme ça. Et personne d'autre ne va venir le libérer si ce n'est vous. Parce que si vous vous indignez dès aujourd'hui, là, on va le libérer. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes complice. Moi, je vous accuse. Vous payez Paul Biya pour que Paul Biya domine tous les hommes politiques, les gens qui ne pensent pas comme lui. Parce que si vous ne financez plus Paul Biya meurt, Paul Biya n'est plus là. On vous a dit boycotter Orange, boycotter tous les grands financiers de Paul Biya. Non, vous ne le faites pas, vous continuez de consommer Orange. Vous continuez de consommer tout ce qui permet à Paul Biya de se maintenir là. C'est vous qui financez. C'est vous qui financez. C'est vous qui avez enfermé Maurice Kamto. N'accusez plus les gendarmes là, ils sont là, ils sont là. Je vous avais expliqué ici là. Je vous avais expliqué ici le système, n'est-ce pas, qui consiste à mettre les cancres au pouvoir, les médiocres au pouvoir et garder les braves sous domination. Ça fonctionne comment? Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, il ne met que des cancres autour de lui. Regardez autour de Paul Biya, il y a qui? Il n'y a que des cancres. Atangandi, c'est un cancre. Regardez vous-même Atangandi. Regardez les gens qui sont autour de Paul Biya, ce sont des cancres. Et ces personnes-là sont très dangereuses. Pourquoi? C'est un meilleur système pour se maintenir au pouvoir. Je vous explique encore. Lorsque vous prenez le pouvoir dans un pays et que vous mettez autour de vous des cancres, je vous assurez la longévité de votre pouvoir parce que les cancres-là vont se battre bec et ongle pour rester dans leur position. Puisque ces cancres savent que dans un pays de compétition, dans un pays de compétence, là où on veut la compétence pour être dans un poste, ils n'auront jamais aucune chance. Et donc, lorsqu'ils ont la possibilité de rester à leur place là, mais ils vont se battre bec et ongle pour que le système ne change jamais, parce que c'est ce système-là qui leur permet de vivre, de se maintenir où ils sont. Ils savent que si ce système change, ils vont perdre leurs privilèges. Ils savent qu'au niveau de leur cancritude, ils ne peuvent rien faire. Vous-même, dites-moi, quel président normal peut mettre Atangandi dans un poste ministériel ou même dans un poste... Atangandi... Mais attendez un peu. Regardez comment ces faucons-là se battent pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est de bonne guerre. Même ton propre chien à la maison, quand tu lui donnes la viande, lorsque tu veux mettre la main pour lui, il va te mordre. Il va s'accrocher sur sa viande. Et c'est de bonne guerre. À tout bien réfléchir, on ne leur en veut même pas. Parce que c'est de bonne guerre.
Ils luttent pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se maintenir. S'ils quittent du pouvoir, ils n'ont pas les compétences nécessaires dans un pays où il y aura de la compétition. Donc, ils sont obligés de se battre pour se maintenir au pouvoir. Et maintenant, les braves personnes, les personnes intelligentes et consorts sont les personnes qu'on a mis au bas de l'échelle pour dominer. Ces personnes ne doivent jamais émerger. Parce que si ces personnes émergent, leurs postes seront menacés et consorts. Donc, ils vont vous dominer. C'est un système de gouvernance. Vous pensez que c'est au hasard? Non. Paul Biya, c'est le Machiavel des temps modernes. C'est un système de gouvernance. Je mets rien que des idiots et des cancres qui n'ont aucune capacité dans mon gouvernement autour de moi. Ces personnes, sachant qu'elles n'ont aucune capacité, vont continuer de se battre, vont se battre farouchement pour rester, se maintenir là où ils sont. Et moi, je n'aurai plus à me déranger. Je vais me coucher, je bois mon vin, je mange ma viande. Je sais qu'eux, ils vont faire tout le travail pour moi. Parce qu'ils savent que si je tombe, eux aussi tombent. Et s'ils tombent, ils n'auront plus d'autre chance d'avoir les privilèges qu'ils ont. Donc, ils sont obligés de se battre pour me maintenir. C'est ce qui se passe avec Biya. Ces gens-là, tous là, ils se battent. Biya ne se gêne pas. Est-ce qu'il se dérange? Vous avez vu Biya se déranger? Non. Il sait qu'il a mis les bulldogs autour de lui. Ces gens-là se battent pour que Biya continue d'être là où il est. Parce que tant que Biya est là, c'est leur suivi. Paul Biya est leur garantie. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Si vous n'étiez pas au courant, aujourd'hui, vous le savez. Si vous n'étiez pas au courant que c'est vous qui financez tout ça, aujourd'hui, vous le savez. Si vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passe dans votre pays, à moins la plupart des choses que j'ai expliquées ici aujourd'hui, tout à l'heure, maintenant, vous savez. Et maintenant, ces 900 personnes qui sont connectées là, vous pouvez faire passer ce message ici. À chacun d'entre vous, à 10 personnes, en partageant tout simplement la vidéo. Et comme ça, vous allez passer le message de sensibilisation. Les gens doivent comprendre que ce sont eux qui sont leurs propres bourreaux. C'est toi, mon frère Camerounais, qui est ton propre bourreau. Ce n'est pas Paul Biya. Ce ne sont pas les militaires de Paul Biya. Ce ne sont pas les gendarmes de Paul Biya, ni ses ministres. C'est toi, tu es ton propre bourreau. Par tes actes, tu te condamnes toi-même. Tu finances la dictature. Et quand on te domine, tu ne dis rien. On utilise ton argent, l'argent de tes impôts, pour museler les opposants, pour museler les hommes qui se battent pour ta liberté, pour museler les gens qui se battent pour la justice. Tu continues de payer ces gens avec tes impôts. Les juges qui ne jugent jamais les gens là. Paul Chouta est toujours en prison jusqu'aujourd'hui. Wilfried Tsiyo fait quoi en prison? Wilfried Tsiyo fait quoi en prison? Juste parce qu'il avait le livre de Maurice Kamto, il fait quoi en prison? Beaucoup, je ne peux pas citer tous les noms, mais beaucoup sont en prison, ils n'ont jamais été jugés. Les juges là, on les paye avec quoi? Vous pensez que c'est la France qui paye les juges ou bien les États-Unis? Non, c'est vos impôts. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est vous qui financez la dictature. Donc vous êtes les seuls responsables de la gabégie et de la dégringolade de notre pays. Le seul responsable, c'est le Camerounais. Il n'y a pas deux responsables. Le seul responsable, c'est le Camerounais. Et vous devez savoir une chose. Quand votre toit est percé et que vous passez le temps à recueillir l'eau dans des récipients, au lieu de boucher le trou qu'il y a sur le toit, vous allez passer le temps à recueillir cette eau-là toute votre vie. Vous n'aurez jamais résolu le problème. Vous allez passer votre vie, chaque fois qu'il pleut, vous allez mettre le seau ou l'assiette. Vous mettez le fût, ça remplit, vous partez verser, ainsi de suite, chaque fois. Mais tant que vous laissez le toit-là qui est percé, l'eau va continuer de couler dans votre maison. Vous aurez beau mettre autant de fût que vous voulez, ça n'aura jamais résolu le problème. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de résoudre le problème au-dessus. Vous ne voulez pas résoudre le problème dans le fond. Vous cherchez seulement à jouer, c'est-à-dire vous jouez sur la facilité. C'est tout. Il faut attaquer le vrai problème. Et le vrai problème là, vous savez qui il est. Vous le savez pertinemment. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passez une bonne soirée. Rendez-vous ce samedi pour un live
très exceptionnel, à 21h30. Ça va aller très vite. C'était Max Senior Ivoire.